13. Jodi a tap fò 54. Et semaine k ap vini a fait 1 an ke w ale. 1 an. Et rien pa chanje. Au contraire. Bagay yo vin pi mal. Chaque jour nous sorti, nous pa konn si n ap antre. Jodi a anken ayisyen pa ka planifier sou demain. Yo te mande ou fè silence et yo rive kembe ou nan yon silence éternel. Un an après, ça sa baye. Sa ki remè on yo, fami on yo, zami on yo, pèp wa, tout moun ap soufri en silence. Malgré nou wè, nou tande, nou comprenn, nou constate ke tan kou yon silence nan mo, la justice l'arrête. Bras croisés. Nous vivons un silence qui voulait dire tout bagaille. Un silence qui quittait place pour toute qualité bagaille. Tout partout, il y a un silence qui a opprimé, qui a condamné, qui a détruit. Mais sans faire bruit, nous continuons de travailler parce que faut que Haïti change. Silence qui a révélé force. Et lui a mené réflexion. Même gens à n'importe l'autre âme, silence qu'à sa vie pour protéger. Lui a bâillé courage. Et m'a prédit encore, silence fait plus bruit par ses balles. Il y a un gros poète qui te dit, ça qui est plus sacré par ce silence, c'est la vérité. Et le silence ça remplace la vérité, il y a fait le tourner menti. Ou perdit la vie ou parce que vous n'êtes pas d'accord avec silence. Mais nous ne pas quitter au perdre dignité. Nous avons continué à faire silence. Tout menti par fond. Mais un jour, la vérité est pour la justice. Repose en paix, mon frère.